Eh bien bonjour à tous, et c'est reparti pour un nouvel épisode de Medieval. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé, entre les fins d'épisodes que je devais tourner, etc., etc. Enfin bref. Et du coup, on va finir cette grande ligne droite comme j'en parlais, avec d'abord le domaine de l'Asie. Alors, comme je le disais dans le dernier épisode, le domaine de l'Asie, si je ne me trompe pas, quand même relativement compliqué, un truc à base d'énigmes. Bon, ça va, normalement les énigmes, je m'en rappelle à peu près, donc on devrait pas trop galérer. Mais n'empêche que, de mes souvenirs, c'était pas forcément le meilleur des choses. Ah oui, c'est vrai, on a la, et ça sert à faire quoi sur une charge? Ah, ça fait une gigalance, quoi. On va rester comme ça, ça peut être pas mal. Même si en vrai, on va repasser à l'épée. Épée et lance, tiens, on va faire ça, ça va être pas mal. Vivement une nouvelle épée. D'accord, il nous faut une rune du chaos. Même si la porte est déjà ouverte. Alors ça commence bien, ça ne dit rien du tout. Alors, Yeah, ça commence bien. Commence bien. On va peut-être prendre plutôt l'arc, parce que si je me gourre pas, d'accord. Ok, ça clarifie la chose. Ah oui, c'est lui. Le maître des énigmes, c'est lui. Ok, bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez, let's go, allez le voir. Mes hommages, sœur Fortesque. Je m'appelle Justin Desbois. Je suis le maître des énigmes et ce labyrinthe est mon domaine. Tu es libre de partir, mais uniquement si tu trouves la réponse à quatre devinettes. Quatre casse-têtes si diaboliquement difficiles, si complexes qu'aucun homme n'a jamais pu les résoudre. À présent, essaie mon premier rébus. Elles viennent à la nuit sans qu'on aille les chercher. Le jour, on les perd sans qu'elles aient été volées. Ouais. Je me rappelle plus trop. J'ai dit, je m'en souviens. Ah bof. Oh, d'accord. C'est le fameux El Famoso labyrinthe. Shit. Attends. Ça ira plus vite. Ah, tac, 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 tac. Ah, épée magique, forcément, ça aide. Ok. Hop. Oh là là, un nombre de personnes. Toujours plus. Je sais pas que c'était un boss top. Ah mais oui, mais je suis bête, c'est les étoiles. Oh, d'accord. Il ne faut rien. Je peux pas la péter la cruche, non?
Bon, d'accord, j'ai compris. Même pas. Oh, j'aurais tellement cru. Ok. Oh. Putain, il y avait une étoile juste là en plus, à moitié con. Pour de vrai, on peut pas y passer. Hein. Non, ça va être des murs qui s'ouvrent après. Ok, ça va avoir des énigmes. Ah putain, c'est vrai que j'ai plus de bouclier. Je mets en posture bouclier et j'ai plus de bouclier. Moi. Ok. Il me reste deux étoiles. Bon, les deux étoiles, je sais où est-ce qu'ils sont. Ils étaient au début. Hein. Déjà, ils sont là. Si je me trompe pas, il y en avait une. Voilà. Alors, tes énigmes impossibles. Tu as rigolé. Chevalier, mais ma devinette sur les étoiles était une broutille. J'aime commencer par une facile. Reviens ici, la prochaine ouais, énigme sera ça. Un peu plus corsée. Je vis pour le rire, je vis pour la foule. Sans cela, je ne suis rien. Ah, un clown. C'est beau. Ok. Alors, comment trouver un clown maintenant? Ça doit être les nouveaux trucs qui doivent être débloqués là-bas. C'est bon. Encore. Oh, donne-moi un bouclier. Dis-moi que tu me donnes un bouclier. On peut plus en avoir. Oh yes, un bouclier en argent. Royal. C'est une histoire de regards qui se croisent. Hein. C'est ça, c'était une histoire de regard qui se croise. Ok. Là, il n'y a personne qui le regarde. Le problème, c'est que si je fais ça, lui, il va se retourner. Voilà, forcément. Que je réfléchisse. Si je fais ça, il se retourne. Il est heureux. Et pourquoi? Ok. Ok. C'est lui qui ferait chier. Non, parce que forcément, il y a une histoire. Ok. J'arrête de taper comme un dératé. Il y a peut-être un indice. Sois gentil
et fais donc plaisir à ce clown en lui offrant ton plus beau sourire. Mais c'est tout. Merci pour l'indice. C'est ça qui m'avait emmerdé, je crois. N'importe quoi. Fils de con. Il se fout de moi, c'est pas vrai, j'en ai marre de ce jeu! Bah quand même. Un clown. Très fin, n'est-ce pas? Ah la vache. Cette énigme de coin se dessiner sur ton visage en entendant ma prochaine énigme indéchiffrable. Bon d'accord, bon. Allez, allez, hop. On reprend la grosse épée. Infernal. Donc, super facile ton énigme. Visage d'arbre, peau marine. J'ai beau être un monstre, la vermine m'effraie. Ah, ça c'est bon. Je me souviens. Tout va bien. Si je me gourre pas. Déjà, je me fais courser. Il manque un peu de puissance quand même, hein, vous remarquez. Il manque une nouvelle épée. Hein. Beaucoup de chats, hein, dis donc. Étonnant, hein. Est-ce que par exemple, l'énigme ne serait pas d'apporter, je sais pas, je dirais au pif, une souris qui pétrifierait l'éléphant? Ok, d'accord. Beaucoup de choses. Alors la souris, si je me trompe pas, l'époque, elle doit être ici. Les deux souris. Oui, la souris. Fuck. Bah.
souvenir, elle était là. Elle est vraiment très très loin. Suis-je aveugle? Ou alors faut carrément remonter tout le tout truc parce qu'il manque quelque chose. Ah, tous les coups, c'est ça. Ouais, putain, c'est ça. Là, je m'en souvenais pas qu'il fallait aller aussi loin pour aller chercher à celui. Merci. Ah, faut aller chercher la rune du chaos qui... Ok, d'accord. Voilà. Avec toutes ces histoires, je commence un peu à manquer de vie quand même. Vous avez dit, hein, niveau de l'enfer. Ça, ça ouvre. Voilà, c'est ça, ça ouvre ça. Et du coup, il y a la souris qui me suit. Ok, d'accord. À partir de maintenant. Puis on nous décharge. Je crois qu'il reste relativement. Ça reste relativement prêt. Ça va faire égal. Let's go. Ok. Voilà. Libre. Regarde tous ces chats là. Par là, ça passe. As-tu vu la feinte? Je t'ai fait croire que cette devinette ouais, t'as raison. Alors que c'était gros comme un téléphone. Je t'ai fait croire que c'était dur, non, mais en fait, c'était pas du tout dur. La réponse à mon prochain mystère a confondu les esprits les plus vifs de toutes les générations. Viens par là. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et bim, 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 bim. Et le caddie, c'est prêt. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai bientôt plus de vie. Oh putain. Ça permet de revenir dans le labyrinthe. Oh là là, magnifique. Ah. Allez, allez, on vide tout. Ah. Ah, mine de rien, ça fait du bien. Parce que sans déconner, toute la vie perdue là, c'est beaucoup. Oui, y a pas moyen de faire demi-tour? Non? Non, faut vraiment faire le tour. Bon, bah. Let's go. De toute façon, il y a le calice qui est juste là, si je me gourre pas. Voilà, bah parfait. Allez, le calice. Je t'ai fait croire que c'était ardu. Des énigmes, mis plus la mer, mis à part le clown. Je savais que c'était le clown, mais c'était chiant. Je supporte la lune et les étoiles. Je ne souffre pas le soleil. Chassez-moi au flambeau et vous me verrez partir en courant. Ok, donc je suppose un buisson à faire flamber. Un peu comme ça. Je l'avais vu l'autre. Hein. Je l'avais vu l'autre. Mais on n'a pas trouvé de point de feu. Il y a des gars, il y a des trucs de feu là, mais... C'est tout mis à part ça. Oui, il est là. Oui, j'ai compris qu'il était là. Ah, d'accord, ok. C'est ça. Parfait. Oh bof. Oh bof. Oh là. Alors, donc si je me trompe pas, ça doit être ça. Ça devant. Voilà, nickel. Ici. Et...
peu. Hein. Ou le dernier. Oh, 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 oh. Par là. Tant que tu vas. Please. Voilà. Petit impertinent, cette ténébreuse m'a pris une éternité à composer. Parfait. Aussi outrageant que cela paraisse, mon vaste intellect a été égalé par ton cerveau sérieusement décomposé. Il en peut plus. Reviens par là, que je te remette ta récompense. Merci. Allez, donne-moi ma récompense, s'il te plaît, pour que je me casse. Cet enfer. Alors. Tu te crois très malin, n'est-ce pas? Voilà, monsieur Gros Sabot, je te permets de traverser mon labyrinthe. Débrouille-toi pour en trouver la sortie. Ça sent le sel par ici, hein. Alors, donc, normalement, j'ai l'autre truc de débloquer ici. Non, pas du tout. J'aimerais bien me racheter. Est-ce que c'est possible de se racheter des. Ça c'est bon, ça on va racheter un petit peu. Et on va prendre des lances. Et mine de rien, si je me bourre pas, les lances sont quand même relativement efficaces. Et vu que l'autre il va me casser les couilles. Attends, déjà il y a lui. Hein? Voilà, voilà. Alors ça, on va se marrer. Bon. Là. Du coup, tu vas là. Tu vas là. Et tu continues par là. Là. Et tout droit. Non, tout droit. Mais c'est pas bon. Voilà. Et merci bien. Plus ça va et plus les épisodes ils deviennent de plus en plus longs. Allez, direction le hall des héros. J'avais dit qu'il était casse-couille ce niveau, je m'en souvenais. Le va-et-vient d'un yo-yo magique. Peut-être le maître va-t-il corser les choses pour t'empêcher de trouver les coquetiers magiques. Tu rajoutes, toi, un peu. Ah putain, j'espère que l'autre, avec son épée, il va se réveiller. Non, c'est pas encore lui. Je veux son épée magique. Oh, une hache. Mal. Ok. Elle va peut-être me donner des flèches enflammées. Un bouclier, mais. Alors, bouclier. Truc enflammé. Ou hache. On va prendre la hache. Hein. On va prendre la hache. Eh, hey, monsieur Fortis, faut que je te parle. Si ce Zarok était si mauvais, pourquoi tu reviens à la charge? Pourquoi toi en particulier, hein, Fortiche? Cet accent. Ça devrait être moi. Blood Monat le couperait de ta crâne. Quand j'étais vivant, j'avais toujours un tas de morts éparpillés autour de moi. Toi, t'as passé le plus clair de ton temps à organiser le changement de la garde et à jouer au croquet avec le roi. Tu vois, je te prête quand même ma hache. Elle ne demande qu'à être balancée, jetée. Elle a aussi soif de tuerie comme moi. J'accepte. C'est où pour signer? De sang de démon, ma fière beauté. Oh, t'inquiète. T'inquiète pas. J'en fais mon affaire. Ah oh là là. Et en plus, on peut l'acheter. Ah, c'est beau ça.
ça, et en deuxième arme, on va prendre ça. Ça sera parfait. Comme ça, ça sera absolument parfait. Allez, let's go. On quitte le hall, et on va pouvoir en finir avec ce côté. Parce que, mine de rien, ce niveau-là, j'avais prévu qu'il serait chaud. Au moins, c'est fait. Le calice est fait, il n'y a plus besoin d'y retourner, c'est l'essentiel. Enfin bref, bon du coup, j'espère que cet épisode vous a plu, même s'il était long. Enfin bref, du coup, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.